je vous remercie, Sheba. Il faut retenir d'abord que de ces élections, il ressort tout de suite que les partis politiques ont encore de la crédibilité au Sénégal. Malgré la décision du référendum du peuple sénégalais de permettre la suite civile de façon générale de participer à ces élections, mais celles-ci ont montré que l'expérience des partis politiques et leur crédibilité sont restées très fortes et que pour l'essentiel, ce sont les partis qui ont gagné ces élections et toute la suite civile a été laminée. Donc c'est la première leçon que je tire de ces élections. La deuxième chose, c'est 47 listes, ce taux. Il faut aller vers la rationalisation pour faire en sorte que le nombre de participants ne dépasse pas une vingtaine, une trentaine au maximum. La troisième leçon que j'ai tirée, c'est que la majorité présidentielle reste forte au Sénégal. Elle est restée forte parce qu'elle est unie, contrairement à l'opposition qui s'est divisée. C'est pourquoi on peut dire même qu'on l'a laminée. Donc ça veut dire, la leçon à tirer de ça, que c'est l'unité qui fait la force. L'unité qui avait fait partir Diouf, celle qui a fait partir Abdoulaye Wade, Macky Sall a créé les conditions politiques pour que cette unité ne puisse pas avoir lieu. Et je pense que politiquement, je pense que c'est un politique qui est hérité à la fois de Diouf, de Senghor et de Wade, parce qu'il a un encadrement PS-UPS et une expérience libérale. Il a pu capitaliser ça. Et je pense c'est une victoire personnelle de Macky Sall. Donc voilà ce que je peux tirer de cela. Alors, je pense qu'il faut essayer de voir le mode de scrutin. Le mode de scrutin majoritaire donne une majorité écrasante avec le Raoul Gadou qui ne reflète pas la réalité politique ni la réalité sociologique. De mon point de vue, alors, c'est vrai que c'est pas bon de retourner au proportionnel, à la proportion intégrale qui mène à des instabilités parce que dans ce cas, il est obligé d'avoir une majorité stable. Mais je pense qu'il faut aller vers la réduction du quota de la liste majoritaire. Et soit descendre à 50-50, sinon même descendre à 40%. Ce qui va permettre à celui qui a gagné le maximum de départements de gagner des élections. Et ça pour favoriser des alternances au niveau des assemblées et même à arriver à une sorte d'un président, une sorte de cohabitation. C'est une expérience également qu'il faut franchir dans nos pays pour montrer la profondeur de notre démocratie. Je pense que ce qu'on peut tirer également de ça, c'est que le PDS en tant que parti n'est pas mort parce que Wade est là. Et l'arrivée d'Abdoulaye Wade a montré que l'homme Wade, malgré ses 91 ans, reste quand même un homme politique, intelligent, comme Senghor le disait, un vrai Ndiombor. Et il a fait montre d'une capacité physique, intellectuelle extraordinaire. Et je pense que sa présence a donné beaucoup plus de chance à la coalition PDS d'avoir ses 19 députés. Et également le cas de Touba, c'est un cas très intéressant parce que malgré tout ce que le président Sall a fait pour Touba, malgré que des pointes du mouridisme officiel sous le Khalifa général soient sur la liste majorité présidentielle, eh bien, Touba est resté wadiste. Et ça veut dire quoi? Que le Ndigal, tel qu'il était conçu avant, même s'il y a plus un Ndigal officiel, ça ne marche pas chez nous. Et que Wade reste le cœur du monde mouride. Et ça, je pense, très important
a essayé à méditer pour le président Macky Sall. Et ça également, c'est une grande leçon à tirer de ce scrutin. Et je pense également que le phénomène pur est à méditer parce que c'est un jeune parti, mais c'est un parti politique, pour moi, c'est un parti politique religieux, et qui montre quand même que quelque part, que notre pays évolue, est en train de faire des mutations très fortes, et qu'il faut que les partis traditionnels républicains donc, tiennent sérieusement compte de ce phénomène. Enfin, je voudrais peut-être, pour un dernier élément, c'est par rapport aux perspectives des pouvoirs qui ont cette majorité, parce qu'on peut dire que Ben Bokayakar est resté soudé, mais est-ce que, avec ces élections à mi-mandat, dans moins de 2 ans, et cela veut dire que le président Macky Sall va laisser à l'Assemblée nationale sa vaillance, avoir un même premier ministre, avoir Tanor à ses côtés et continuer de cette manière. Ça peut donner un semblant de sécurité politique. Mais je pense que le président Macky Sall a intérêt à montrer à la population et surtout aux jeunes que ça bouge et qu'il faut aller vers des changements profonds et des mutations profondes. De ce point de vue, il faut que ça bouge de ce côté-là. Et il faut non seulement qu'il s'ouvre aux autres, mais je pense qu'il y pense parce que, en fait, il a renforcé son parti au détriment de ses alliés et ce renforcement lui permet de prendre la possibilité d'être plus libre et plus autonome par rapport à là où il veut aller, contrairement à l'Assemblée passée où il avait des contraintes. Et là, je pense qu'il va prendre toutes les dispositions et prendre en main tous les atouts qu'il a entre ses mains pour montrer qu'il est le vrai maître du jeu. C'est-à-dire qu'il contrôle sa majorité, mais également qu'il fasse un clin d'œil à la société civile, à l'opposition et également aux autres Sénégalais qui ne sont d'aucun parti, mais qui sont là et qui sont prêts. Et si vous tenez compte, de mon point de vue, de la jeunesse. Parce que j'ai toujours dit, en tant que ministre de l'Éducation nationale, chaque année, j'ai recruté au CI 300 000 jeunes de cadre de 6 ans, 7 ans. Ça veut dire quoi? Chaque année, il y a 300 000 citoyens qui sont en âge de voter au moins. C'est-à-dire que depuis que Macky Sall est là, depuis 7 ans, 7 promotions sont passées à 18 ans. C'est-à-dire 300 000 multipliés par ces 2 millions. C'est-à-dire que 2 millions, 100 000 jeunes sont entrés dans la liste électorale et qui ne connaissent que le régime de Macky Sall. Et cette jeunesse, il faut tenir compte de cet électorat, de cette jeunesse-là. Et cette jeunesse-là, eh bien, il faut absolument qu'il y ait un programme de formation, un programme d'emploi et un programme de prise en charge de cette jeunesse-là. Donc c'est cette jeunesse-là qui va élire le président de la République de 2019. Et je pense que le président Macky Sall est particulièrement attentif au monde rural, avec les puits d'essai, particulièrement attentif son programme cible des pays frontaliers et sur les régions frontalières, mais également avec son programme pour l'éducation, la jeunesse, l'emploi et les questions sociales. Voilà. Merci.